En plein cœur de Namur, nous sommes chez Isolution, une jeune entreprise super dynamique qui est active dans l'isolation et la ventilation. Et ici, on engage. Arnaud, bonjour, tu es le co-gérant de Isolution, une belle société namuroise qui a bien évolué ces dernières années. Explique-moi en quelques mots votre histoire. Alors l'histoire d'Isolution, on l'a commencé il y a 13 ans. La société a été fondée par François Radelet, un ingénieur civil. Il a démarré la société d'une feuille blanche et il en a fait une belle activité de 11 personnes. En fait, il y a 2 ans et demi, mon associé Grégoire et moi, on a décidé de se positionner pour racheter l'activité. Et là, on a développé l'activité pour passer de 11 à 46 personnes. Et avec le marché de fonds, on est convaincu qu'on peut continuer à développer l'activité. Pourquoi est-ce que c'est un marché porteur ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire wallon, il y a 9 maisons sur 10 à réaliser. Et donc, c'est un chantier pharaonique. Et donc, parce que ce chantier doit être réalisé, on est assez convaincu que pour les 25 à 30 prochaines années, il y a assurément du boulot à faire. Vos clients, c'est vraiment les maisons de monsieur et madame tout le monde, ce sont des particuliers. Exactement, donc nous on se positionne sur le mass market, donc on veut vraiment rénover l'ensemble du parc. Et en termes de services qu'on propose, c'est l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, donc la toiture, les murs, les châssis et les sols. Et alors à partir du moment où on a bien étanchéifié le bâtiment, on vient installer des systèmes de ventilation pour éviter tous les problèmes de condensation d'humidité. Ici on est parmi tous vos isolants, je propose qu'on continue la visite. Avec plaisir. Julien, on est ici sur un de vos chantiers. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Donc ici, on est en train de faire une isolation en boîte de cellulose avec une étanchéité au frein à vapeur. Et on pose également une ventilation double flux. Ce métier ici, il est compliqué selon toi ? C'est pas un métier qui est compliqué, c'est un peu accessible à tout le monde, mais il faut vraiment être bien formé. C'est plus léger par rapport à la construction, mais si on est motivé, il n'y a pas de problème. Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Donc, avant, j'étais dans le domaine de la métallurgie comme technicien. Je me suis dirigé par après dans l'expertise en isolation et ventilation chez Isolution avec les collègues qui m'ont formé. Donc, je vais chez les clients, je réponds à leurs demandes, je crée un devis, puis je transfère à mes collègues gestionnaires quand le devis est accepté. J'ai l'impression que c'est un domaine dans lequel tu te plais, en tout cas. Oui, c'est vraiment chouette, c'est un métier qui est porteur. Il y a plein d'innovations qui sont en cours et c'est vraiment chouette. Céline, tu es responsable des ressources humaines chez Isolution. Vous cherchez à faire grandir cette équipe avec de nouveaux profils. Lesquels exactement ? Donc actuellement, on recherche des gestionnaires de chantier et des technico-commerciaux. Et dans le second semestre 2024, nous souhaiterions engager également des chefs de chantier. Ces personnes doivent avoir quel CV ? Une certaine expérience quand même ? Pas spécialement. On engage des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le secteur de la construction ou des personnes qui n'en ont pas, qui sont par exemple en reconversion professionnelle. Justement, le secteur de la construction est plutôt concurrentiel. Pourquoi rejoindre Isolution ? Chez Isolution, c'est une entreprise jeune et dynamique du Namurois qui est co-gérée par 2 personnes qui ont 30 ans. Donc il y a plein de nouvelles idées, plein de choses à mettre en place. Et on organise régulièrement des after-works histoire de profiter dans une ambiance agréable des collaborateurs. Bon, comment est-ce qu'on postule chez vous ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre CV sur jobs@isolution.be. Merci beaucoup Céline. Moi je vous donne rendez-vous comme chaque semaine sur waldorado.be pour découvrir toutes les offres d'emploi disponibles partout en Wallonie.